Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est la vidéo où je vous montre ce qu'il y a dans la box que je vous ai concoctée pour les 400 abonnés. Ouh! Ça a été compliqué d'arriver à 400 abonnés. Je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire pour que les gens appuient sur le bouton s'abonner, je ne sais pas. Bref, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 2 abonnés des 400. Donc, je me dis que je vais la filmer. Et puis, voilà, j'espère que ça fera des euros. Des euros? Non, moi, ça m'a fait des euros, mais vous, ça fera des heureux. Bref, j'ai fait une boîte comme ça et je l'ai remplie de plein de choses. Et puis, bah, j'espère que ça plaira, ça vous plaira. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans et après je vous dis ce qu'il faut faire pour participer. C'est un concours uniquement YouTube pour vous. Voilà, c'est parti. Je vais aller dans le désordre. Hein. Il y a donc le Marilou, c'est le highlighter de ces yeux baumes, le fameux, voilà, très 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 connu. Il va y avoir l'élixir jeunesse, c'est le roll-on défatigant de chez Yves Rocher, si vous savez, je l'ai déjà fini, c'était dans mes produits finis, c'est un produit que j'ai adoré, très efficace. Un mascara, le 3D, le 3D Lash Effect, vous l'avez beaucoup vu utiliser dans mes vidéos, je l'ai adoré, quand j'y suis retournée, je l'ai retrouvé, donc je vous l'ai pris, parce qu'il est vraiment, vraiment bien. J'ai pris des pinceaux Emma, vous savez que je les utilise. Donc j'ai pris un pinceau, c'est quoi? C'est un pinceau fond de teint, un pinceau un peu que je l'utilise pour le contour, pour poudrer ou pour l'highlighter, et des pinceaux yeux. Voilà. Donc c'est des pinceaux de chez Emma que moi j'adore particulièrement. Il y a une petite palette avec trois fards à paupières assez nude. Voilà, de la marque Cougar, Panda Dame, je ne sais plus, bref. Une petite palette de fard à paupières. Il y a un petit Dolce Pink Cream Color, un petit gloss de la marque Bang Beauty, un petit gloss un peu rosé. Il y a un vernis de Yves Rocher, corail, comme ça, super joli. Bon, là, j'avoue qu'on arrive en hiver, donc la couleur, mais bon, si vous voulez le mettre sur les pieds ou le garder pour cet été. Le mascara gel sourcils de chez Emma. Voilà, je le kiffe, je l'utilise tout le temps dans mes vidéos, donc je vous l'ai pris. J'ai pris le transparent, comme ça, même si vous ne faites pas vos sourcils et que vous voulez juste les coiffer, ça peut vous servir. L'eyeliner. Icono Milano, ouais, c'est Icona Milano, Icono Milano, eyeliner liquide en pinceau, le masque éclat de chez Yves Rocher qui sent super bon la lessive, ça sent trop bon, que j'utilise beaucoup, j'adore. Un masque chauffant de chez à la gaufre de chez Emma que j'ai adoré utiliser. Ça, c'est un petit bracelet que j'avais eu en cadeau chez Yves Rocher. Je vous l'ai mis. Je vous ai mis un lait revitalisant hydratant à la fleur d'Osanthus que j'adore. Et le petit gel douche en petit échantillon. Enfin, échantillon. Grosse miniature. Un dentifrice Crest. Vous savez que j'utilise Crest. Ça fait blanchir les dents. C'est une marque américaine. Donc, je vous en ai mis un si vous voulez tester. C'est des gros tubes. Un crayon blanc que j'utilise souvent, il est très blanc pour mettre dans la muqueuse, ça agrandit ou quand vous êtes fatigué, de la marque Mask. Voilà. Une brosse à dents recyclable, voilà, organique, recyclable. Le rouge à lèvres que je kiffe le plus au monde, c'est le numéro 15 Lover de chez Maybelline, le Superstay Matte Ink. C'est ma couleur. C'est celui que je mets quand je ne sais pas quoi mettre. Il va avec tout. Et pour finir, le petit coffret Nuxe avec dedans l'eau démaquillante, la gelée exfoliante, la petite huile prodigieuse, la crème hydratante défatigante, soin anti-âge et crème main et ongles. Voilà, il y a tout ça et évidemment je vous ai rajouté des petites miniatures, des petits échantillons et tout en plus à l'intérieur. Voilà,
Il y a tout ça dedans. Honnêtement, je n'ai pas calculé le coût de revient. Mais il y en a pour beaucoup. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la box vous ira, que ça vous plaît, un concours comme ça. Alors pour participer, il va falloir répondre à quatre questions. Donc les quatre questions, la première c'est quelle chose a changé dans ma vie cette année? Donc si vous avez regardé mes vidéos, vous allez pouvoir répondre. Donc qu'est-ce qui a changé dans ma vie cette année? Vous pouvez, il y a deux réponses possibles. Voilà. La deuxième question c'est où est-ce que je suis partie en vacances cet été? Donc là, c'est facile. Évidemment, si vous regardez mes vidéos, vous savez aussi. Troisième question, quelle est la dernière palette que j'ai achetée? Et la quatrième question, c'est qui m'a maquillée en vidéo? Voilà. Donc, c'est des questions simples si vous regardez mes vidéos. Et puis sont facilement retrouvables au cas où vous en avez raté une. Donc voilà, il faut être évidemment abonné à ma chaîne, avoir au moins mis au moins deux commentaires sous mes vidéos. Et puis voilà, ça fait beaucoup de conditions, mais ça fait un gros concours quand même. Je suis contente de le faire, j'avais trop hâte d'arriver aux 400 abonnés. Et puis j'espère qu'on ne mettra pas autant de temps pour arriver aux 500 abonnés. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y a pas mal de concours. Il y a aussi un concours, un petit concours pour un fard à paupières sous une vidéo. Je vais lancer cette vidéo dès que j'arrive à 400. Et le concours va durer. Allez, on va le mettre un bon bout de temps pour que vous ayez le temps de répondre et que toutes les personnes puissent participer. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que vous êtes contentes. Moi, je suis trop contente de l'avoir enfin lancé ce concours. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!